Bonjour et bienvenue sur Eurosport pour suivre une nouvelle épreuve de triathlon. Cette fois-ci, nous allons suivre un Ironman. C'est le Lisplein Holland Triathlon Almere. Alors, quelques explications pour ceux qui avaient un programme télévision un petit peu ancien. Effectivement, on devait vous présenter le championnat du monde de longue distance de Muncie. Il semblerait que les organisateurs locaux aient tout simplement oublié, par négligence ou pour différents problèmes d'organisation, eh bien de mettre les moyens télévision nécessaires pour assurer une retransmission digne de ce nom-là. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vous la présenter. Mais en revanche, donc, on vous présente ce 16e Open de Hollande. Il s'agit d'une épreuve Ironman, je vous l'ai déjà dit, qualificative pour Hawaï, bien évidemment, et qui avait lieu le 17 août 96. Donc, ceux qui connaissent bien le triathlon ont tout de suite fait le calcul. Si c'était le 17 août, c'était vraiment pratiquement en même temps qu'Embrun. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas voir une foultitude d'athlètes français parmi les meilleurs. On aura essentiellement effectivement des Belges, des Hongrois, un Japonais, Allemands également. Et ça reste quand même intéressant parce que les organisateurs ont eu la volonté de créer un stadium spécifique au triathlon. On en avait déjà vu une première approche au Japon l'année dernière sous l'ITU. Et là, il y avait plus de 5000 personnes qui ont pu se rassembler tout autour pour suivre. On écoute Frank Eldorn qui a eu quelques problèmes de genoux, mais j'ai pas pu beaucoup m'entraîner dans le passé, mais je pense que ces problèmes viennent de temps en temps, donc je vais voir comment ça va se passer. Jan van der Marel, lui, est le favori. Il a terminé 3e à Roth, et Roth, c'était simplement il y a un mois, donc il va falloir voir son état de fraîcheur. Je pense que je suis le favori, bien sûr, parce qu'avec le résultat de ces dernières années, et je pense qu'un Franck, Olivier Bernard et moi, on est d'ici. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même Olivier qui est là, il y a Franck, donc c'est vrai que je suis vu parmi les favoris, mais j'espère que je vais remplir ce rôle. Il y a également plusieurs Hollandais. Itman Makiel, Martin Bridiek et Rick van Dricht. Alors évidemment, tous ces noms ne vous disent pas forcément grand chose. En revanche, le Hongrois Tibor Lehmann, lui, est un des habitués également du circuit. Du côté des filles, on va bien sûr retrouver Katinka Wiltenburg, qui a eu quelques petits problèmes de drafting à Roth. Non, je pense qu'Almer est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Il n'y a que 700 compétiteurs. Et alors qu'il y en avait beaucoup plus à Roth. Non, c'est pas un problème pour moi. On retrouvera également Cora Vlot, Bianca Van Neusik, également Jacqueline Van Vliet. Et une préparation complète. On se pommade avant d'enfiler la combinaison pour éviter les frottements notamment. Je rappelle que cette épreuve avait lieu le 17 août, donc la température est particulièrement excellente. Vous voyez que les organisateurs, pour éviter les faux départs, n'ont pas hésité sur les moyens. C'est assez étrange comme image. Mais ça donne bien un petit peu l'atmosphère au départ d'une épreuve de natation, ces espèces de barrières assez redoutables qui font un peu parc zoologique. Voilà, elles ont été entrouvertes et c'est un départ lancé façon 24 heures. Et vous le savez maintenant, si vous avez le malheur de vous retrouver au milieu de ces chutes du Niagara horizontales, ça devient très grave. On dirait des milliers de grenouilles qui se lancent à l'assaut d'un nénuphar. Et c'est un peu le cas. Souvenez-vous, dans les derniers triathlons, certains l'ont payé très cher. On pense notamment à Jürgen Zak à Roth. Ça lui a complètement arraché les lunettes et le bonnet. Et ça lui a bien sûr empêché de participer à cet événement. Car, je rappelle pour ceux qui auraient raté un épisode, eh bien, tout simplement, il y a un nouveau record du monde en termes d'Ironman, de triathlon longue distance, qui a été établi par Lothar Leder de Duisburg avec un temps de 7h57. C'était le premier
garçon à descendre sous la barrière mythique des 8 heures. Le précédent record était détenu par Dave Scott. C'est ce record daté déjà de 1989. Et il y avait justement que Jürgen Zak qui l'avait approché en 8h01.59. C'était déjà à Roth en 94. Et il semblerait là que les organisateurs aient voulu réaliser un parcours rapide. C'est en tout cas l'objectif des organisateurs, en espérant bien évidemment que les distances soient correctes. Mais bon, je pense que lorsqu'il s'agit d'une épreuve qualificative pour Hawaï, je pense qu'on peut faire confiance de ce côté-là aux organisateurs. Vous voyez, l'épreuve de natation est particulièrement bien lancée. Les conditions relativement bonnes. Il y a un petit peu de clapot, mais les combinaisons sont autorisées. Donc à chaque fois, ça nivelle un petit peu le niveau. Et on suit le groupe des femmes là pour le moment, qui est emmené par Bianca Van Vezik et suivi par Marit Koldijk à quelques mètres. Alors que actuellement le favori, Yann Van Der Marel, est simplement une 20e place. Et ici on est déjà à 1,8 km. Je rappelle les distances d'un Ironman, 3,8, 180, 180 km de course à pied et un marathon complet pour terminer la journée. Une journée qui s'annonce en suivant la cadence des gens, en moyenne à 8h, 8h30 pour les meilleurs garçons et un peu plus de 9h pour les meilleures filles. Alors que là actuellement, grosse cadence des filles. Alors qu'actuellement en tête, on a un groupe de garçons qui s'est détaché. Michael Van Der Hoffen notamment, le Hollandais, que l'on a vu. Suivi par un groupe composé de Dennis Van Heet et Robin Boone. Alors que la voix que vous entendez, c'est celle du caraman qui est sur un bateau à moteur. Et donc deux favoris dans cette épreuve, Yann Van Der Marel, bien sûr, avec sa troisième place à Roth. On va se faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette épreuve. A tout de suite. C'est le Lisplan Holland Triathlon Almer, le 16e Open de Hollande. Un Ironman qui avait lieu le 17 août, et pendant que la natation poursuit son chemin, il y a quand même deux événements importants qui ont eu lieu ce week-end et sur lesquels on va revenir. Alors qu'actuellement, on se retrouve à la sortie de l'eau avec Michael Van Der Hoffen, le Hollandais, qui passe très rapidement sous la douche. C'est un bon nageur, mais qu'on ne devrait pas voir ensuite parmi les groupes des poursuivants. Surtout, ce qui va être intéressant de voir, c'est la sortie de Yann Van Der Marel. Il y a tout un groupe derrière, notamment Van de Hint, et un autre groupe derrière ensuite, emmené par Robin Boone, à peu près à 1,35. Voilà, c'est reparti pour le leader de la natation, Michael Van Der Hoffen. Et là actuellement, c'est Yann Van Der Marel qui a limité relativement la casse. Il y a également Tibor Lehmann. Yann Van Der Marel, lui, est en 19e position, et Tibor Lehmann, 7e position. Parcours de vélo, 180 km sur un circuit de 34 km sur une sorte de grande nationale particulièrement plate et ventée. Mais il n'y a pas spécialement de côte majeure, vous voyez, c'est une sorte d'autoroute qui a été neutralisée pour l'occasion. Et c'est la raison pour laquelle on peut effectivement espérer un temps particulièrement intéressant sur cet Ironman
C'est un choix délibéré des organisateurs, car c'est vrai que maintenant, on est un peu lancé sur la course au record. Roth a eu pendant longtemps cette épreuve en Allemagne, l'image d'une épreuve très rapide. Et c'est vrai qu'avec la performance de Lothar Leder, eh bien, record du monde, 7h57. Et que ça fait toujours bien pour attirer les épreuves, d'autant que là, en tant qu'épreuve qualificative pour Hawaï, il y a eu énormément de monde sur les autres épreuves, et en particulier sur Embrun. Et on se souvient du superbe succès de cette épreuve cette année, particulièrement intéressant. Et il faut savoir que sur un Ironman, eh bien, il faut beaucoup de temps pour récupérer. Et là, on va d'ailleurs voir l'état de fraîcheur d'un garçon d'ailleurs comme Jan van der Marel, à peine un mois de Roth. On quitte un instant la course pour vous signaler quand même que Jackie Gallagher a réussi un doublé assez incroyable samedi dernier à Ferrara en Italie, en remportant le titre mondial de championne du monde de duathlon. Je rappelle qu'elle est déjà championne du monde, mais en triathlon, distance olympique. Donc là, c'est vraiment une performance unique dans l'histoire de cette discipline, doublée cette année de Jackie Gallagher. Et il y avait également une Coupe d'Europe en République tchèque à Brno. On la verra sans doute un peu plus tard dans la saison. Mais en tout cas, sachez que Stéphane Bigny a remporté cette avant-dernière étape de la Coupe d'Europe. C'est une première pour le Français sur cette épreuve internationale. Denis Luz, lui, le grand leader de ce circuit, a terminé à la troisième place, alors que chez les femmes, c'est Kemp Arendt qui remporte la victoire. Et je rappelle que la grande finale aura lieu à Antalya en Turquie. Celle-ci fait bien évidemment partie de notre programme. Dirk Van Gossum, le Belge, est remonté maintenant à la deuxième place. Et ça s'écrème un petit peu derrière, notamment en ce qui concerne Michael van der Hoffen. Dennis van Hint aussi, qui était sorti en tête de la natation, est un peu lâché. Là, on renvoie Brijik, le Hollandais d'Amsterdam, qui est également remonté vers le groupe de tête. Du côté des filles maintenant, on a Reitenbach et Apitz qui sont remontés. Pas forcément des athlètes que l'on connaît beaucoup, mais en tout cas, Katinka Wittenburg, celle que l'on connaît le mieux actuellement, est en deuxième position. Elle a du mal à rattraper un peu l'écart qui a été creusé par les filles devant, avec un trou d'une bonne 1 minute 30. Chez les garçons, Van Gossum est toujours en deuxième position, à peine quelques secondes du leader. Et le leader, eh bien, c'est tout simplement Jan van der Marel, qui a réussi la performance de remonter très très vite. Jan van der Marel, qui a 28 ans. Spécialiste à la fois de duathlon et de triathlon. Il a été plusieurs fois champion de Hollande de duathlon. Van der Marel. Et puis surtout ce temps superbe à Roth, 8h12.53. Il a remporté Almere, c'était en 93, donc c'est effectivement c'est un peu le tenant du titre de cette épreuve. C'était Frank Eldorm qui l'avait remporté l'année dernière. Vous voyez qu'on est à 5 heures de course maintenant sur le demi-tour. Et chez les filles, eh bien, c'est Katinka Wittenburg, la tenante du titre. Oui, en tout cas, c'est un circuit absolument magnifique. Il n'y a pas eu de côte spectaculaire. Il ne faut pas oublier quand même Carrot. Il y a des bonnes collines et des sérieuses côtes. Là, ici, à part cette petite ascension d'un pont, il n'y a pas grand chose. Vous l'avez vu, ça roulait bien également sur l'autoroute. Donc, ça va aller très très vite en vélo. Et d'ailleurs, on peut d'ores et déjà le dire, le meilleur temps en vélo, c'est Jan van der Marel qui va le signer en 4h24-26.
ça c'est très rapide. Il faut savoir que Van der Marel sur Roth lui avait tourné en 4h27.30. C'est pas vraiment la même cadence. Et Lothar Leder, lors de son record, avait tourné en 4h24.06. Donc, si on compare avec le temps de natation, Leder était une minute. Pour le moment, eh bien, tout simplement, Yann Van der Marel est dans les temps de la barrière des 8 heures, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais on l'a vu encore une fois, le parcours était particulièrement roulant sur cette portion d'autoroute. Et ça facilite bien évidemment énormément les choses, car proportionnellement, c'est évidemment le vélo avec ses 180 km de distance qui est la portion la plus rapide dans un Ironman. Petite moquette pour arriver, histoire d'atténuer un peu les effets désastreux du pavé. Mais en tout cas, vous pouvez le juger, vous pouvez en juger. C'est un stade parfaitement aménagé pour l'occasion et c'est en tout cas très très bien organisé. On va se faire une petite pause, on se retrouve tout de suite après la pub pour les premiers. On a attaqué le marathon maintenant sur cette épreuve de Hollande. Almere, dans les environs d'Amsterdam. Je rappelle que nous sommes à la mi-août pour un des derniers qualificatifs pour Hawaï. Avec les leaders bien lancés, Wildenburg avec Reitenbach à ses côtés. Et chez les garçons, Yann Van der Marel. Le voilà, Yann Van der Marel. Bonne foulée. Et on se souvient de la cadence infernale de Lothar Leder de la Roth. Elle n'est pas si mal pour le moment. Derrière, eh bien, on a toujours Van Gossum, Dirk Van Gossum. On a ensuite Hitman, Bredic. Ici Bredic. Cadence peut-être un peu moins soutenue. Et là ici Rick Van Drieg. Van Drieg qui lui a 35 ans. Des champions de Hollande de duathlon il y a quelques années. Et à Roth, cette année, eh bien, elle a terminé en 8h49.20. C'est un garçon qui a terminé également à Almere en 3e il y a 2 ans. Boone, lui, est pour le moment toujours à la 6e place. Et on passe maintenant chez les filles. Avec Brigitte Van Kwezik, qui est en tête actuellement du marathon, mais qui perd du terrain sur cette jeune fille, Katinka Wildenburg. Regardez comment elle est affûtée actuellement. Et qui va une sacrée cadence sur ce marathon. Très impressionnant. Regardez, voilà le passage de témoin. Ça n'a rien à voir entre les deux athlètes. Et c'est réglé. Katinka Wildenburg passe maintenant Brigitte Van Kwezik pour la tête de cet Ironman. Une foulée incroyable lorsque l'on sait qu'il y a eu 3-8 de natation, 180 km de vélo et actuellement elle est en train de courir un marathon. Très très spectaculaire. On arrive maintenant avec on va tout de suite voir le temps de Yann Van der Marel qui a couru quelque chose d'assez incroyable, qui est bloqué ici. Regardez bien ce qui se passe.
Il a été bloqué sur ce passage. Je pensais que c'était l'arrivée, mais il y a mamie qui court derrière. Voilà, elle l'a touché, c'est parfait. Elle est heureuse pour la journée. Et on a vu ce petit incident avec la voiture, savoir son importance, vous allez voir pourquoi. Il est actuellement largement en tête, mais il a effectivement cette barrière des 8 heures. Et s'il n'y avait pas eu cet incident, est-ce qu'il serait descendu sous la barrière des 8 heures ? Non. Son temps d'arrivée, 8h01.13. Et on regarde les records du monde. C'est tout simplement le deuxième meilleur temps mondial jamais réalisé sur un Ironman. Après Lothar Leder en 7h57.02. Lui réalise donc 8h01.13. Le deuxième, Van Gossum, est en 8h09.01. Sachez que Dave Scott, maintenant rétrograde à la troisième place au classement mondial des meilleurs temps jamais réalisé, en 8h01.32. Performance très étonnante de Yann Van Der Marel. Mais lorsque l'on sait les performances qu'il avait réalisées à Roth, c'est dire l'état de fraîcheur de cet athlète qui, un mois à peine après Roth, réussit à améliorer encore son temps. Beaucoup d'ambiance dans ce stade. Il y avait plus de 5000 personnes pour accueillir les meilleurs. Un circuit qui fait partie de ce que les Hollandais appellent le Golden Four. Tour d'honneur pour Van Gossum. Et là, c'est Rick Van Trick, le numéro 5. Voilà les temps exceptionnels pour Van der Marel. Van Gossum, 8.07, c'est pas mal non plus. Ah, j'étais vraiment... J'étais en forme, mais je pensais que c'était possible. Mais je pense que j'ai essayé d'accrocher le temps. Et je pense que j'ai vraiment donné le meilleur de ce que je pouvais faire. Mais je pense pas que c'était possible aujourd'hui. Mais je pense que ça reste quand même un temps exceptionnel. Il a vraiment raison. Du côté des filles, ça va vite également, puisque Katinka Miltenburg va signer la quatrième meilleure performance de tous les temps. Katinka Miltenburg, qui réussit 8h56.57. Elle vient juste derrière Inès Echtet. Quatrième meilleur temps à jamais réalisé sur un Ironman. Le meilleur temps, c'était Paula Newby-Fraser à Roth en 94, en 8h50. Ça reste une excellente performance, surtout lorsqu'elle relègue Bianca Van Veen à 14. J'avais fait mon plan de course avant la... Et je voulais vraiment descendre en dessous de 9h et j'étais vraiment 2 minutes seulement sous mon programme, mais j'ai dû recourir un peu plus vite. Mais je pense que je me suis raté un peu sur le vélo, mais sinon je l'aurais fait. Voilà, il repart avec une petite voiture, pas venu pour rien le garçon. Yann Van Der Marel, qui maintenant va vraisemblablement se reposer pour Hawaï. Alors que sur un Ironman, bien évidemment, après, c'est l'arrivée de tous les attardés. En tout cas, vous le voyez, bonne ambiance. Donc je rappelle la principale information de ce triathlon. Yann Van Der Marel réalise la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps sur un Ironman. Et Katinka Miltenburg, elle, la quatrième. Voilà, on va se quitter sur... Ce résumé en images et en musique pour cet Ironman d'Almer. Vous restez bien sur Eurosport pour la suite de notre programme. Et n'oubliez pas, la saison de triathlon continue. C'est sur Eurosport. À bientôt.